monde, c'est Niafit et je suis en compagnie de Silverstorm 87. Salut Silverstorm. Salut. Et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 6 de la Cube World Adventure. Donc Silverstorm, toi, c'est la première fois que tu filmes, hein. Donc oui, je vais filmer. Donc je sais pas si tu vas mettre épisode 6. Oui, tu mets épisode 6. Oui, mais par contre, en fait, comme j'ai ma touche pour frappe, c'est M, et ma touche pour la map, c'est M aussi. Du coup, quand j'ai fait M, ça m'a ouvert la map, et j'ai refait M. Du coup, j'ai commencé la vidéo à salut. Donc, bienvenue pour cette première vidéo de Cube World sur ma chaîne, en tout cas. Ben voilà. Hein. Je suis isolé, moi, pour ma vue, l'épisode 5, il y a le son qui est encore buggé, donc... Je mettrai de la musique de fond, j'essaye de varier la musique, parce que ça m'arrive souvent avec la Ignis Storms Adventure. Ça m'est arrivé 4 fois. Tiens, il y a des... Est-ce qu'ils sont méchants, cette créature? Ne t'approche pas! Ah, d'accord. Non, mais c'est des gentils. Ils sont en bleu. Ah, toi aussi, c'est des gentils, alors. On peut y aller. Mais s'ils sont méchants, il y a un espèce de laser vert. Et alors là, tu te fais déglinguer. Putain, moi, j'appelle mon chien. Mon chien! Je n'ai pas mon chien! Moi j'ai mon chip! Bonjour petit chip! Hop là, il est là! Bon, mais là on est près du changement de biome, est-ce que c'est le même? Oui, on est tout près même! Hein. Oh putain, c'est le même! Pff, c'est nul! Ah mais là! Super! Si vous voulez voir, si vous êtes sur la chaîne de Silverstorm, et si vous voulez voir les 5 premiers épisodes, vous n'avez qu'à aller sur la chaîne d'Eniapit! Puis si vous êtes sur la chaîne d'Eniafit, vous pouvez venir voir ma vision. Ouais, ça lag à moi. Ouais. Parce que toi, t'es sur PC fixe. Alors que moi, je suis sur un portable, donc c'est normal. Hein. Un cheval. T'es mort. Ah, pardon, je t'ai pas attendu. Non, c'est pas grave. J'ai tué une petite fleur. Il est où le ours? Ours, ours. Oh, je te tape. Oh, il a rien compris. Hop là, je te déglingue, moi je suis comme ça. Et voilà, plus 5 XP. Donc si vous voulez aussi voir Silverstorm dans d'autres vidéos, parce que pour l'instant il n'y a que la Cube World Adventure que Silverstorm m'a filmé. Donc si vous voulez voir genre du rush, Shootcraft et les trucs comme ça, venez sur ma chaîne, parce que Silverstorm, je crois que tu n'en feras pas sur ta chaîne, parce que ta chaîne est surtout consacrée à... Ah bah je vais te laisser le dire d'ailleurs. Bah, à la construction surtout. Ouais, mais il y aura pas trop de PVP. Et ouais voilà, pas trop de PVP. Du coup, il tournera quelques épisodes avec moi, mais ce sera que sur ma chaîne. Oh, j'ai level up. Oh, j'ai level up. Il a cramé mon cheval lui. J'ai level up. Il est gentil lui. Mais pourquoi il a cramé mon... Alors... je mets des points dans quoi? Eh, j'arrive pas à... Moi, j'ai bientôt level up, mais c'est pas encore... Putain, j'arrive pas à ouvrir mes skills, je comprends pas. Ah, ça, j'ai réussi. Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais dans les pets, dans climbing ou dans swimming. J'ai bien envie d'avoir mon attaque 3, moi, hein, quand même. Hop là. Il faut 5 points dans une attaque pour avoir l'autre. Et il faut un aussi dans l'attaque suivante. Oh, une ornette. J'ai une abeille. Je sais pas comment on dit en français. Bah si, c'est une abeille. C'est pas une abeille, excusez-moi. Si, c'est une abeille. Enfin, il y a une marque de... Bah si. Oh, un péacoc. Attends, on le tue pas. Je crois que j'ai ce qu'il faut pour lui. Hé, péacoc. Tiens. Bouffe cet apple ring. Ah non, mais j'ai de quoi me faire un crocodile, je me suis trompé, c'est l'Apple Ring, c'est un crocodile. C'est pour qui les melons? C'est pour qui les melons ice cream? C'est pour les midges dans un désert. Et les lolis? Lolis, c'est quoi ça? C'est une espèce de petite fleur champignon bizarre. Ah, je crois que je... non. Ah, oh, je prends cher. Fit, il y a un gros ogre là-bas. Ouais, mais on va se faire déglinguer, hein. Tu sais pas ce que c'est qu'un ogre. Tu veux tester? Non, non, ça ira, ça ira. Il est rouge, hein. Oui, ben ça ira, c'est pour ça. Oh, j'ai bien envie de me le faire, hein, quand même. C'est YOLO à mort.
Tu le tapes en premier. Hein. YOLO. J'ai même dû le rater. Ah bah je suis déjà mort. Et moi aussi. Ok, d'accord. Bon ben bah, tu vois pourquoi. Oh, un poulet. Donc si maintenant oui, je voulais te demander, qu'est-ce que tu préfères entre oh, j'ai oublié le nom. Non, c'est pas ça. Cette touche là. Entre un petit chien et une chauve-souris. Ah attends, j'ai un petit bug. Tu sais le petit chien, c'est les colis là. Ce que t'as. Attends, mais je comprends moi, pas. J'ai un petit lag. Ah. Oula, j'ai planté. Ah. Eh ben, reviens. C'est un peu con, mais bon. Ouais, mais j'ai planté. Est-ce que tu veux qu'on se fasse un château? Oh, putain, c'est quoi ce biome pourri? Moi, je te dis, on s'en va. La ville, elle est à 3 km. Ben oui, mais moi, j'ai planté. Bah tu fermes carrément Cube World et puis tu recommences. Bah du coup sur la vue de Silverstorm il y aura une petite ellipse et bah moi je vais en faire une. Du coup ellipse, à tout de suite.
Re tout le monde, c'est Niafit et Silverstorm. Donc en fait c'est pas la même journée, du coup je redis Niafit et Silverstorm. Et donc là on a trouvé un truc intéressant, c'est un boss, je sais pas si vous voyez bien là. Le poulet géant. Attends Silverstorm, avant d'y aller tu peux me heal? Ouais, alors hop. Ouh, c'était juste à côté de mon chien. Alors récup ta mana et après on va se fight. Ouais, mais je le récupère très vite. Ouais, là c'est bon, j'ai mon mana. Donc il est blanc, donc ça veut dire qu'on va le déglinguer. Par contre le seul truc c'est qu'on va le laisser finir le petit poulet parce que sinon non, il va s'envoler, ça va être chiant. C'est un poulet, il se bat contre ses bébés en fait. Il s'appelle Zezel. Check him, c'est un boss. Bon viens, il a perdu de la vie, on peut y aller. De toute façon il est blanc, on va le déglinguer. YOLO. Ok d'accord. Il est nul. Il me fait aucun dégât. Ah si, un petit peu, mais tu me soignes. Oh, un quart de vie. Oh, attaque. Ouf. Bon, j'ai une attaque un peu plus... J'ai une arme, une grosse arme, je vous avais pas montré. Parce que, du coup, j'avais pas vu, mais vu que je suis passé niveau 5, j'ai eu 17 power. Et, bah, du coup, j'ai pu mettre l'arme à une main. Et donc moi, tu vois, ça donne des Fire Spirit, et après ces Fire Spirit, tu peux les mettre sur ton bâton ou sur ton épée ou où tu veux. Enfin, c'est pas forcément des Fire Spirit, mais c'est des Spirit. Donc dès que t'en as, moi je te conseille de les mettre direct sur ton épée, parce que tu vois là c'est du plus 5, ça veut dire que c'est du power. Enfin, sur mes anneaux et tout 5. Ça. Enfin, ouais, sur mes armes. Ça se loot que sur les boss. Alors donc, la map, c'est du power 5. Et le power 5, c'est plus notre niveau déjà. Donc il faut vite les utiliser parce qu'après ils n'auront plus aucun effet sur nos armes. Oh, il y a un ogre. Tu veux qu'on se fasse déglinguer? Non, ça ira. Ok. Oui, parce qu'on a testé pour l'ogre. Oh, du fight. Les messieurs. Oui, il y a fuite. Bonjour, messieurs, dames. YOLO. Comment? Mais non, c'est pas le bois. Tu peux m'aider? Non, mais... Mince, je l'ai... Tu peux me heal en fait, j'étais là, là je te vois pas bouger, d'un coup tu vas bouger. Ça se trouve là je suis en train de... Ah, je suis en train de me faire rétamer, ça se trouve. Non, non, t'as toujours toute ta vie, par contre tu peux me heal, s'il te plaît. Attends. Je suis en train de courir là. Je me suis heal moi au lieu. Ouh. Alors attends. Il me reste 20 PV. Non. Il me reste 20 PV. Patin. Non mais dis à ton... de merde. Ah, pardon. Voilà. Ouh, merci. Encore? Bon, je suis mid life en fait. Alors la ville, elle est par là-bas. Ouh, on est plus très très loin. Il me reste encore plus de 100 PV, mais non. Bon, c'est pas grave. Ouh. Tu m'as fait healer ton chien là. Une centaine encore, ouais. Oh, un corbeau. À mort. Oui, je sais pas si je vous ai montré. Oh, Rogue, je vendrai. J'ai apprivoisé la chauve-souris. Ah bon? Ouais, voilà, elle est level 1. Mais si, je l'ai faite, mais toi, t'avais bugué, je crois. C'était au moment où t'avais bugué hier. Non, pas hier. Je sais plus. Bon, bref. Bah du coup... Je te propose qu'on refasse une petite ellipse et qu'on vous reprenne dès qu'on a trouvé quelque chose de bien. Ouais, ellipse. Allez, à tout de suite. Re tout le monde. Donc on se retrouve au village. Et voilà, et vous pouvez voir que je suis complètement buggée. Je ne perds pas de mana, mais j'envoie des boules d'eau à l'infini sans perdre de mana. C'est assez bizarre. Ah, oh, un colis. Tiens, il y en a un de chien, tu peux apprivoiser. Je ne sais pas comment faire. Attends, oh. Tiens, il y a un animal que tu as apprivoisé là où je suis. C'est bon. Ah, attends, il y a des witches. What, bah... tu es mort, non. Casse-toi. Ah, je suis super loin. Il y avait des witches. Aventurier, district d'aventurier. Est-ce que c'est la bonne classe, lui? Non. Oui. Bonjour, monsieur. X. Je vais changer. Un silver 51. C'est de l'arnaque. Que tu vois, de 400... Oh, de 420, tu sais, j'avais 429 PV avant. Ouais. Regarde 328. Combien j'ai. Mais moi,
Hier, j'en avais 303. Maintenant, j'en ai mais 200. C'est parce que t'as changé d'arme, parce que c'est l'arme que je t'ai donnée là. Elle fait beaucoup plus de dégâts, mais elle t'enlève un petit peu de vie. Ah oui, Niafit m'a trouvé une arme très très ouais. bien. C'est... Elle est Moi, beaucoup c'est plus forte. Enfin, beaucoup... elle est plus forte, on va dire. Il faut aérer les trucs, hein. Oh. Mais j'arrive pas à ouvrir la porte déjà. Je rentre Bonjour, chez les madame. Gens. Genre, on est chez somme. Zelda. On est à Zelda. Tu dors? Wow. Ouais. Moi aussi. C'est jour. Alors. C'est déjà le jour? Moi, je cherche. Ah, tiens, oui. Voilà, c'est ça que je cherche. C'est comment? Le magasin avec une loupe. Voilà. Ah, mais c'est qu'il est grand ce village. Ouais, c'est un méga village, comme Toulouse en fait. Parce qu'en fait, j'ai looté des leftovers bleus et verts. Et je sais qu'on peut les faire examiner ici. Alors. Voilà. Oh, j'ai. C'est quoi ça? Alors. Oh, j'ai un colis. Identifié. Alors, on va. Undamaged linen boots. Ok. Identifié. Flowers Food Wand. Oh tiens, j'ai un bâton pour toi encore. Et Awesome Wood Bow. Oh putain, c'est un arc le dernier. Alors, un truc pour Ranger. Oh, un bâton vert pour toi qui fait beaucoup. Oh, il est génial. Oh. Il est génial. Tu l'as acheté? Non, je l'ai trouvé. J'ai looté un leftover. En fait, c'est une espèce de. Une pierre un peu verte et bleue. Ou bleue, ça dépend. Et oh tiens. C'est ici. Je vais te faire des blocs de bois. Et j'ai trouvé. Et donc du coup je l'ai fait identifier et j'ai trouvé des. Je sais plus comment ça s'appelle. Donc un. Alors tiens, je vais te passer tout ce que j'ai. Donc ton bâton cheaté. Merci. Et ton bois. Tu veux mon iron? Ouais. Non, je peux pas le stocker. Alors, tiens, le bois il est par terre là. Mon bâton. Oh merci. Cheaté. Alors vous pouvez comparer. Celui qui est à gauche, il est déjà équipé, donc et il était encore déjà mieux que les autres. Ouais, donc, et celui-là en plus il te ramène de la vie parce que là t'es à 300. Ah ouais. Alors, est-ce que c'est le bon? Oui, je tombe sur l'anvil direct. Alors non, ça c'est la customisation bench. Anvil. Ouais. Alors, est-ce que j'ai mieux? Non, c'est parce que là... Oh, rien que ça, c'est mieux. Alors, Eniafit. Oui. Comment on personnalise nos armes? Explique-moi. Alors, est-ce que... Oh, attends, mais il faut que je le mette à la face, celle-là. Super bien. T'es au truc du bois, là? Ben, là, je suis à côté de toi, on va dire. Ben, toi, vu que t'es un sorcier, faut que... Enfin, vu que t'es un mage, faut que t'ailles au bois. Et tu vois la table qui est derrière moi, là? Attends, toi, t'es au bois? Non, moi, je suis au truc pour le faire. Tiens, je vais te montrer, viens. Ok, merci. En fait, il faut que tu ailles sur la table de customisation. Ah, quoique, je sais pas s'il y en a une ici. Ah si, voilà. Workbench. Tu utilises la workbench. Attends. Ouais. Ok. Et après... Et tu peux crafter des trucs. Ah ben... Non, c'est pas là, alors. C'est là-bas. Je me suis trompé. Je croyais qu'il y en avait une pour chaque arme, mais en fait, non, il y a juste à l'anvil. Donc, tu vas sur la table qui est derrière moi, l'espèce de truc bizarre, la customisation bench. Et tu l'utilises et tu te fais... tu mets des blocs de bois sur ton arme. Et tu fais en sorte que ce soit joli, quoi. Et alors mon arme, je la prends, je la mets dedans? Je fais quoi avec? Bah tu cliques dessus pour la mettre en mode... Enfin, équipée, quoi. Enfin, ah oui, dans d'accord. La table. Dans la table. Et elle apparaît après. Ensuite. Et après tu peux la tourner avec la molette ou le clic. Je sais plus. Faut appuyer sur la molette, c'est un clic molette, on va dire ça comme ça. Ah oui, d'accord. Voilà, donc Iron Cube, c'est fini, j'en ai plein. Alors, Anvil, tu me fais une arme cheatée. Hop. Bon, si vous n'aimez pas du tout ce que je fais, bah, je l'équipe. Parce que... Non, c'est une arme à une main. Bon, alors j'ai une arme pas mal. Regarde les points qu'il faut mettre sur mon arme. Ok, je vois pas. Tac.
Ouh, j'ai eu 3 Iron Cubes en le faisant cuire. C'est bien. J'en ça. Ai plus. Alors, la scierie, elle est... Alors... C'est où on était tout à l'heure. Attends, la parce que moi, j'ai customisé mon arme, du coup. Ouais, hop là. C'est pas top ce que j'ai fait, bon, moi. J'ai 44 cubes. Je vais les poser au pif. Est-ce que tu as posé le... Alors, attends. Comment ça s'appelle? Alors, voilà. Ensuite, je vais faire un truc classe, genre comme ça. Hop, ouais, ça fait sympa. Moi, je suis pas très convaincu de ce que je viens de faire avec, mais... Je crois que tu peux les enlever, les blocs. Ouais, mais... Moi, je peux que mettre du bois. Ouais. Ah, tu vois, là, par contre, je vais me merder. Je peux le déplacer, le bloc. Je regarde ce que tu... Non, hop. Alors, hop, j'en ai encore... Pas mal. Ouais. Mais... C'est classe comme ça. Moi, je les vois pas. Hop, ça, je vais rajouter un bloc là. Hop. En sachant que quand tu rajoutes des blocs, ça te rajoute des caractéristiques. Hein. Enfin, ah ça bon fait qu'elle est plus forte, hein, ton arme. Ah ouais. Je savais pas. Ah ouais, Power 17, HP 320. Ah ouais, ok. C'est bien. Moi, ça me l'a augmenté, là. Oh, merde. En gros, tu peux la remplir de cubes. Faut être méga précis, hein. Non, pourquoi? Ah, parce que moi, je viens de faire une erreur, là. Hop. Suffit de l'enlever. C'est chiant. Tu fais clic droit pour l'enlever. Oh, je suis à 32 pour 32. Mmh. Hop. Ouais, elle est sympa mon arme. Alors, je vais comparer avec maintenant et avant. Alors, avant, elle faisait du 12,1 de dommages, maintenant 14,6. 10,8 points de vie, maintenant 13. Tempo 0,6, ça n'a pas changé. Et 1,5. J'en ai tu mis peux me soigner, s'il te plaît, parce que je suis à 346. Attends, juste, tu fais voir ton arme. C'est quoi que t'as rejeté? Bah en fait j'ai les petits pics à l'avant et derrière j'ai rajouté un bloc qui part sur le côté et une petite lignée mais pas entière la ligne. Ah c'est toi qui as fait les petites dents là? Ouais. Et tu vois ce qui est pas de la même couleur c'est moi qui ai rajouté. Sauf le bord des dents. Enfin, à côté des dents, c'est pas moi. Ça y était déjà. Ok. Moi c'est... j'ai juste rajouté des blocs. Ah ouais en fait t'as fait un truc au bizarre. Moi je vois parce que c'est pas la même couleur. Moi tu peux me heal s'il te plaît? Ah oui, c'est vrai. Merci. Oula, je vois que l'épisode se finit. Eh bien, sur ce, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde. Salut.